Oui, nous sommes 2-3 personnes à l'origine du projet de création de la roseraie de sauveterre de Rouergue. C'est un projet qui s'est mis en place en 2012, donc qui s'est mis en place en fin 2010. Bon, c'est un projet, on n'avait pas de sous, évidemment, donc on a fait un appel à la population sauveterrade qui a répondu hyper favorablement et qui nous a soutenu financièrement pour l'achat de tous ces rosiers. On a acheté avec cet argent 140 rosiers, j'ai établi les plans. On a fait venir ces rosiers d'Angleterre, ce sont tous des rosiers anglais qui ont été choisis pour la beauté particulière de la rose anglaise, de son parfum, qui ressemble vraiment, qui est la plus proche de la rose ancienne. On a planté 140 rosiers de variétés toutes différentes, qui ont été choisis par rapport à leur couleur et leur parfum. D'accord. Et qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il y ait en plus ici ? En plus, tout doucement, les choses s'organisent. Pour l'instant, on a planté ces rosiers, on a fait venir des pierres, des sarcophages qui étaient un peu à gauche, à droite dans sauveterre, mais très éparpillés, pour que tout le monde puisse les voir. Là, pour cette année, on a fait commencer l'achat d'un petit mobilier, pour que les gens puissent venir, s'asseoir, discuter, faire ce qu'ils veulent. Par la suite, il y a un endroit dans la roseraie qui est juste derrière vous, qu'on aimerait emménager pour en faire une petite scène. Pourquoi pas pour y faire des spectacles, de la musique, des concerts, des lectures de poésie, enfin, un tas de choses qui correspondraient à l'ambiance de cette roseraie. Alors d'abord, j'ai trouvé que l'idée était très belle. Je dois dire qu'on n'a pas beaucoup de roseraies dans le département, j'en connais pas beaucoup. On en connaît des grandes à Lyon et ailleurs. Et l'idée d'utiliser ce petit espace pour y planter des roses qui sont un symbole fabuleux, très riche, voilà, et qu'on connaît depuis l'Antiquité, me paraissait une très belle idée. Voilà, c'est pourquoi, lorsque Patrick Bacharil nous l'a proposé, et le maire, et M. Méandrieux, dont on ne parle jamais assez, parce qu'il a les bonnes idées, mais il ne veut pas les dire, et c'est pour ça que j'ai accepté volontiers de venir à cette petite réception ce soir. Quand on fait un petit tour du village, le soir ou le matin, par exemple, avant qu'on rentre dans nos ateliers, oui, c'est bien d'avoir un petit coin comme ça et rencontrer les abeilles et les papillons, je suppose, le matin et le soir. C'est une bonne idée et ma foi, c'est magnifique, c'est très bien. C'est mieux qu'autrefois où il y avait qu'un simple terrain vague avec quelques machins, quelques pierres vieilles, c'est tout. C'est très joli et très belle, de belles fleurs. Tout me plaît. Les roses sont très belles, elles sentent bon. Il y a des pierres qui sont mises en valeur, en plus. Un sarcophage, je ne sais pas ce qu'il y a encore, des vieilles pierres. C'est magnifique. Moi, je trouve très sympathique que dans une petite commune comme celle-ci, ce soit le phénomène, le fait qui rassemble et qui fasse venir les gens pour en discuter, pour en parler, pour se retrouver. C'est le besoin de créer des lieux de convivialité. Et je crois que finalement, le jardinage, tout ce qui nous rapproche de la terre, est un lieu particulièrement choisi pour permettre justement ces échanges entre des gens dont on entend qu'ils sont heureux de se retrouver et de parler un peu de tout et de rien, des fleurs, de leurs couleurs, des parfums, de l'ambiance, du temps. Voilà, c'est l'occasion d'être ensemble.